Salut à tous, ici Antec et bienvenue dans Comment ça marche. Alors c'est déjà une petite série que j'avais fait, enfin il n'y avait qu'une seule vidéo, donc série c'est vite dit. Ah voilà ce que j'avais fait. Parce que ça fait quand même, ouais, ça fait quand même trois fois que je recommence cette putain de vidéo de merde qui nous explique comment marche la redstone, les technologies et tout ça. Génial. Bon, alors là c'est mon petit coin technologie où il y a des pièges. Bon là je vais essayer de pas tomber dans la lave parce que ça me ferait drôlement chier de recommencer une quatrième fois. Parce que la première fois en fait, enfin les fois, et ben on m'entendait pas. Bon là il y a des toilettes par exemple, bah ce genre de choses quoi. Alors c'est une genre de petite intro que je fais là pour vous expliquer à peu près ce que l'on va faire. Par exemple des portes en verre, un aiguillage. Là par exemple nous avons des basiques quoi, un inverseur, distributeur de, enfin pas distributeur, renvoyeur de minecart, un endroit pour cacher les coffres. Pourquoi ça tourne? Ah il y a un mouton, génial. Bon, là nous avons donc les portes, distributeur de minecart qui marche à moitié pour l'instant. Nous avons donc un pulseur aussi par exemple. Là-bas donc nous voyons évidemment le distributeur d'obsidienne. Et là mon fameux piège à lave, là, comme on peut constater il y a déjà de la lave et il a déjà été utilisé. Voilà, donc en gros ça donne ça à peu près. Vous allez là et hop, je vais peut-être fermer. Alors moi par rapport aux autres, j'ai fait tout un circuit avec un endroit de mémoire, justement avec une mémoire de 1 bit. Et en fait, il m'aurait fallu tout simplement, en fait, j'avais pas calé ça, rafraîchir la lave avec de la redstone. Mais bon, c'est pas grave, ça a de la gueule comme ça. Et puis voilà, je vais même préparer un petit terrain. Je voulais mettre aussi des petits trucs, mais comme l'arrivée de l'1.8 ne m'a pas permis évidemment de, comment dire, de le mettre en mode créatif, bah comme dit, je suis un peu, bah ça m'énerve un peu. Bon, on a fait le tour. Bon, pour l'instant c'est tout petit, mais je vais essayer de l'agrandir un peu. Là nous voyons ça, mais ça va être le restant de la carte va être visité dans un commentaire avec TheJack67 sur la chaîne TheJacksandTech, que je vous invite évidemment à voir où j'ai fait une intro. Et voilà, donc on se retrouve donc sur une map créative que j'ai créée avec strictement rien dedans et des moutons qui font chier. Donc, oui. Et énormément d'herbes. Alors j'en avais déjà préparé un comme, justement. Alors voilà à quoi ça c'est. Vous appuyez sur le bouton, et hop, on arrive, et c'est terminé. Bon après on peut faire un truc beaucoup plus grand, beaucoup plus large. C'est drôlement prat... Pardon. Ah voilà. C'est drôlement pratique je pense, parce que je suis pas dessus. Là il y a une ville de PNG où il y a personne. Des tonnes de moutons qui font chier. Alors comme je disais, c'est sûrement en ligne, ça devrait être pratique. Vous pourrez sûrement trouver une utilité à ça. Bon, en gros, ce que vous faites, je vous montre la base et après vous agrandissez quoi. Vous mettez des boosters là par exemple, pour qu'ils partent. Parce que sinon il bougera pas quoi. Là par exemple, on peut mettre ça comme ça. Je sais plus si on peut mettre autre chose. Ah non, ça je vais faire différemment. Je vais le poser comme ça. Là par exemple on met des rails normales, hein, pas besoin de s'embêter quoi. Là par exemple ici on se remet des petits rails boosters. Voilà. Et là par exemple le but justement, là vous avez remarqué, là on met justement ça comme ça. Vous mettez des rails. Et là on met le piste. Là on va mettre un petit bloc comme ça.
Elle sympathise. La petite voix, pop, hop. Voilà. Et là, vous allez remarquer que si par exemple j'active le piston, il va pas fonctionner. Alors, on met déjà le circuit en fait. Comme ça. Alors, on fait comme ça le circuit. En gros, vous mettez un genre de rectangle comme ça. Et. Ah bon, de là. Voilà, comme ça, comme ça. Vous remettez de la redstone comme ça et vous mettez ici un bouton. Pardon. C'est quoi ce délire? J'étais à l'autre bout de la... C'est comique ça, c'est incroyable. Bon, alors là maintenant vous allez remarquer que... Mince, c'est vrai. Que si on appuie là, ça va être complètement dégommé. En fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors donc vous en... voilà, donc c'est ça ce qui va se passer en fait. Si c'est ce que je voulais faire, donc en gros vous allez supprimer celle là ce qui va nous permettre justement de bah, je vais vous montrer. Allez hop, toi tu dégages. Ah punaise. Voilà, en gros ça donne ça. Vous rentrez dedans, vous appuyez sur le bouton et justement ça descend. Voilà, donc faut pas oublier de ne pas mettre de rail. Et puis voilà. Alors, c'est la reprise des cours, ce qui va risque d'alléger mon nombre de vidéos déjà ridiculement petit par semaine, par mois même peut-être. Donc voilà. Par contre, tant qu'à faire, faire un petit tour sur ma petite ville de PNJ où je n'ai strictement rien touché et où il y a quelques petits problèmes avec la route en gravier. L'entrée des maisons qui est par exemple, putain de mouton. Comme ça, voilà. Bon, c'est pas le pire. Une fois, j'en sur ma map normale, j'ai... Il y a une entrée à 10 blocs de haut. Et tu veux rentrer comment là-dedans? Voilà. Donc en gros, ça ressemble à ça, ceux qui n'ont pas fait la mise à jour. À ce qui paraît, il y aura des PNJ. Petite église, hein. Pas trop mal, hein, mais... Il y aura des PNJ en 1.9. Que j'espère qu'ils vont pas venir nous faire chier toute la journée. Parce que moi, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de PNJ qui font rien du tout. Mais si après le concept est sympa, et ben, pourquoi pas. Je pense justement mettre une vidéo sur comment les nouveautés de justement de Minecraft 1.8. Alors là, nous avons donc le réverbère à la extrêmement horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, petit puits. Bon, et un mouton qui se promène comme ça. On se demande comment il est arrivé. Bon, c'est pas grave. Bon, je vous dis à la prochaine, à une prochaine vidéo. Et salut, voilà.